Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Viking du Nord. Et nous allons faire aujourd'hui la deuxième partie de Viking Saga. Donc la dernière fois, nous avions fait le premier niveau, donc l'épave, et aujourd'hui nous allons faire le niveau 2, les côtes brumeuses. Donc nous allons tout de suite le faire. Je vous laisse l'histoire. Listen, Ingolf, what's in the chest? Why is it so important to you? Well, my father, Konung Arnar, told me a story before I set off on my journey. Back in the days of his youth, he obtained a gold ring that promised wealth and glory to its owner. Indeed, Arnar became rich and his glory shone throughout our lands. But one day, the Konung met with a red-haired midget who offered to buy the ring. He begged, he threatened. When he realized that he wasn't going to get what he wanted, he cursed the ring and all the Konung's gold. Turns out, the curse got through to my father after all. He is no longer pleased by drunken feasts or by the love of women. Things have gotten pretty bad for him. That midget must have been a dwarf, or maybe even Loki himself. Father said I'm the only one who can deliver our family from this curse. I must take the ring to the midget. Behind the sea, where the sun sets, there is an island. On that island, there is a mountain. They say that's where he lives. To protect us from the curse of the ring, my father locked it up in an iron chest. So we went sailing into the setting sun to find the midget and to give him the ring. Donc, le nain, quand il a dit que le nain pouvait être Loki lui-même. Eh bien, si vous ne savez pas qui est Loki, je vous propose d'aller voir ma vidéo que j'ai faite sur lui. Cette brume maudite se lève enfin. La carte de mon père indique que nous sommes arrivés. Il devrait y avoir village ici, mais je ne vois que des ruines. Aidez-moi à dégager un passage à travers les terres. Donc nos tâches sont d'accumuler l'argent, de réparer le pont et de retirer les quatre obstacles. Donc je propose de commencer la mission. Donc voici notre base et nous avons un viking et on va tout de suite dégager le trou. Donc c'est un obstacle. Voilà. Après, on peut améliorer notre base. Je propose d'améliorer la base. Je sais pas ce que ça va faire, mais on va voir tout de suite ce que ça va faire quand on améliore une base. Oh, nous avons deux vikings. Donc je propose qu'avec ces deux vikings, on va dégager les petits. Les trucs qui nous bloquent le passage. Vous pouvez utiliser l'argent pour payer la production de nourriture à la ferme. La production de nourriture à la ferme est beaucoup plus rapide que de la qualité des boissons. Ok, d'accord. Donc on va chercher de la nourriture. Oh, il nourrit la petite brebis. Ok. Il peut aller plus vite, notre viking, si on clique sur le pied. Bah déjà, on va faire ça, on va aller plus vite. Oh oui, c'est pas mal ça. On va dégager ça. Voilà. Et on va récolter l'argent. Donc nous avons dégagé les obstacles. Maintenant, on va réparer le pont et lui, il va construire une hutte pour récolter encore plus d'argent. Nous avons fait quoi? Nous avons réparé le pont, donc c'est bon. Il nous reste plus qu'une mission, accumuler l'argent. Donc 4 sur 15. Maintenant on a deux huttes qui vont nous aider à récolter de l'argent. Il nous manque de la nourriture, alors on va aller récupérer de la nourriture. Et comme ça, il va pouvoir construire une hutte et récolter plus d'argent. Et nous allons accumuler ces 15 pièces d'argent. Déjà là, il y en a une. On est à 8 sur 15. Maintenant, on est à 12 sur 15. Et là, normalement, on a terminé. C'est bon, nous avons terminé la mission. Et nous avons gagné la deuxième mission. Niveau terminé. Donc, félicitations, donc nous avons les 3 étoiles. Nous avons fait la mission en 2 minutes 4 et nous avons gagné 6888 points.
Ok. Donc, nous avons débloqué le niveau 3, donc la porte. Mais la porte sera pour... Ce sera pour une prochaine vidéo sur Viking Saga avec Viking du Nord. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner ou laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, ciao !